Lionel Messi a été posté sur les comptes Instagram, le jeune talent congolais, et celui-ci a décidé d'investir sur les comptes. Veuillons voir les reportages. Page. Les volumes. Non, tu m'as mis à l'envers, j'ai dit les volumes. Est-ce que tu vois là où il y a les plateaux, là où moi je suis? Tu m'as mis à l'envers. Dis! Moi je peux même te dire. Bienvenue mesdames et messieurs, c'est les spectateurs sur ce bulletin d'information. Allez-y, monsieur le ministre. Représentant des dieux sur terre aujourd'hui, c'est Mohamed Idriss Déby Itno. Hein? Quoi? Mohamed Idriss Déby Itno. Hein? Mohamed Idriss Déby Itno. Papa, on a compris, non? C'est selon qui? Demande à Abdelhamane Koulama là. Choisis-nous! De bavard là. Tu m'attaques, je t'attaque. Bon, on t'écoute. Dans la Bible, il dit. Dans la Bible, il est dit quoi? Nous, la référence, on va quitter ici. Psaume 117.7. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est faux et archi faux. D'abord, même le président de la République est où? Va. Ah, ok. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Regardez, calmez-vous. Ok, monsieur les représentants des deux cités, on t'écoute. Qu'est-ce que tu en penses de la manifestation de 20 octobre? Je regrette les manifestations qui ont mal tourné. Hein? Quoi? Je regrette ce que une partie des gens qui n'ont pas participé au dialogue national inclusif. Je regrette ce qui s'est passé le 20 octobre. Je regrette aussi le conflit intercommunautaire, le conflit agriculteur-éleveur. Qui ont fait aussi beaucoup de morts. Ah, ça fout là. Ça me fait vraiment pitié. La perte de vie humaine. Tous les autres, c'est réparable. C'est pas vrai. Oui, monsieur le ministre, qu'est-ce que tu en penses de la déclaration médiatique du président de la République? Il faut que nous sachions, nous Tchadiens, que tous les pays du monde ont leur nord, ont leur sud, ont leur est, ont leur ouest. Tous les pays du monde ont leur diversité ethnique. Le pays ne comprend pas ça, petit frère. Ok, quel est ton mot de fin? Moi, je partage les opinions nobles portées par le président du Conseil militaire de transition. Pourquoi? Mais pourquoi? Pour que nous puissions ensemble, dans notre diversité, tant culturelle que culturelle, pour le développement de notre pays. Allô, monsieur le président? Allô, le président est indisponible pour le moment. Je suis sa femme. Je n'ai pas appelé pour draguer sa femme. Alors, transférez l'appel à monsieur le président. Désolé, monsieur, mais le président est en réunion. Madame, écoutez bien. Je m'appelle Mohamed Kaka. Non, c'est pas vrai. Je m'appelle Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef du gouvernement, chef suprême des armées, futur chef de canton d'Amdjarassa. Alors, je vous ordonne de transmettre l'appel à monsieur le président. Désolé, monsieur Mahama Kaka, mais le président est injoignable pour l'instant. Soit vous me dites ce que vous voulez lui dire, soit vous raccrochez votre appel. Alors, madame, dites à votre président ou à votre époux que le président du Tchad a dit. Il vous donne 24 heures. J'ai dit tous les Français, j'ai dit tout, sans exception, civils, militaires ou même diplomates, de quitter le territoire tchadien. Et dans ces 24 heures, si je vois un ou une seule Française dans mon territoire, les soldats tchadiens seront prêt pour la troisième guerre mondiale. Et si vous pensez que je bluffe, regardez dans vos radars. Nos avions de guerre, tels que G15 Falcon, tels que nos Sukhoi, et même nos drones survolent vos territoires. Et chacun de nos drones contient 5 missiles nucléiques indétectables au radar. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire est très simple. Nous sommes prêts à anéantir ou bien à réduire la France ensemble.